Bonjour chers amis, je suis très content d'être parmi vous. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Et si tout n'était que mensonge ?». Ce deuxième DVD vient compléter le premier qui était essentiellement sur la Sainte Famille, alors que celui-ci est vraiment centré sur les dessous de cette affaire. Dessous de l'affaire Saunière, on peut lui donner ce nom-là. Dessous parce que il y a plusieurs aspects à cette histoire, à cette énigme. Il y a au moins trois dimensions à cette énigme. La première dimension sera celle concernant directement l'aspect trésoraire. Cet aspect trésoraire, il est déjà double, mais ce sera le premier chapitre. Alors nous sommes au cœur de l'abbaye. Cette abbaye, en fait, a été créée en 813 à l'initiative d'un comte d'origine wisigothique, un certain Béra. Ce seigneur a décidé d'implanter dans ce bourg, qui était déjà important, une abbaye, qui est donc une abbaye carolingienne. Créée en 813. 813, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est le titre d'un des romans de Maurice Leblanc, avec son Arsène Lupin bien connu. Ce comte Béra va financer la construction, et comme à chaque construction d'abbaye, il va ajouter des reliques pour attirer les pèlerins et favoriser les dons de ces 10 pèlerins. Au départ, la légende nous dit qu'il a réussi à se procurer des morceaux de la Sainte Croix qui lui ont été offertes par le Vatican. Ce n'est qu'une rumeur, qu'une fable, la vérité est tout autre. Pour nous situer en face de nous, nous avons Rennes-le-Château. À 90 degrés, on a Bugarrache et sa célèbre montagne, cette célèbre montagne. Derrière moi, on a une falaise abrupte avec un amas de rochers dont on dit que ce serait le chakra coronal qui fait défaut au vitrail que l'on voit dans l'église de Bugarrache. Ce vitrail des chakras sont au nombre de 6, les chakras, il en manque un et ce septième qui manque serait juste ici, en haut de la falaise. Alors je suis au pied de la statue de Vincent de Paul. Nous sommes dans le parc de la basilique de Marseille. C'est une église qui a été élevée au stade de basilique par le pape Léon XIII, suite aux apparitions et à la découverte d'une Vierge noire qui se trouve à l'intérieur de l'église. Ça, c'est la partie connue de l'histoire de cette église. Une autre partie moins connue, c'est celle de Saint-Vincent de Paul. Parce que quelle surprise de voir Saint-Vincent de Paul dans ce parc. Que fait-il là ? Donc nous sommes ici dans le presbytère de Custoza, dans la pièce qui servait de salle à manger et de cuisine. Et c'est ici que l'abbé Gélis en fait fut retrouvé assassiné. Son corps était étendu à cet endroit, les sabots placés sous son épaule. Il y avait donc son chapeau de curé, donc la grecque que l'on appelle. Et dans ce tiroir par exemple, les enquêteurs ont retrouvé de l'or qui n'a pas été pris. Et les gendarmes se sont aussi aperçus à l'époque. Vous l'avez deviné, je vous parle de Jules Verne, qui en 1884 va écrire un livre, Voyage au centre de la Terre. On prend ça comme un roman, en fait c'est simplement une incitation à visiter cette région.
D'affirmer que la Sainte Famille a passé quelque temps sur les flancs du Bugarache paraît tellement étonnant qu'il faut quand même vous donner quelques preuves et quelques indications. Cette Sainte Famille, en fait, a trouvé asile dans cette communauté qui se situait à Campo. À Campo, aujourd'hui, on ne retrouve qu'un petit étang et quelques ruines. Mais non loin de cette ruine, vous avez aussi une grotte très célèbre, qui est la grotte de la cathédrale. Et dans cette grotte de la cathédrale, on sait, grâce à un médium qui a écrit beaucoup sur cette Sainte Famille, je parle de Claire Herzog et de ses livres sur Anna et les Madeleines,